Et salut tout le monde, salut YouTube, nous sommes repartis pour du Elden Ring sur PS5 et je me suis téléporté au grand ascenseur de Rold. Maintenant qu'on a le médaillon secret, j'imagine qu'on va avoir le choix. On va avoir le choix d'utiliser le... Changer d'action. Ah bah voilà. Brandir le médaillon secret. Nous allons enfin découvrir la partie secrète du game. Hop, je vais passer parce que c'est pas bien intéressant de voir un ascenseur en action, on s'en branle un peu. Ok. Il fait très sombre par ici. Ok, pas de... Chemin secret vers l'arbre sacré, pas de site de grâce, mais une effigie. Je dirais qu'elle me fait un pouce. Bonne chance, elle me dit bonne chance. Par contre, j'espère que la zone c'est pas des catacombes là, hein, parce que flemme un peu. L'œil de bête se met à trembler. Pas très bien. Oh, comment je l'ai cassé dans son délire celui-là? Un site de grâce ça là-bas? Alors déjà ça se divise, j'aime pas. Bon, c'est stylé par contre. D'accord. Je me disais, j'avais entendu un bruit. Ok, bon, c'est pas exceptionnel comme bête, mais c'est quoi qu'on entend là? Il y a des grandes respirations. Ah. Et la même chose. Putain, je peux pas le proc. Ah, oh, je suis obligé d'y aller. Oh, les dégâts. Ah oui, par contre, c'est pas ceux du début quoi en termes de dégâts. C'est clairement pas ceux du début en termes de dégâts. Et donc non, ce n'était pas un site de grâce, c'était seulement un objet à récupérer. Mais vas-y, mais je peux rien faire, j'étais stagger. La bonne zone de mort. Après, je suis peut-être pas obligé de le vaincre si je passe vite. Je me cause des petites merdes là. Ce recueil d'invocation est à présent opérationnel. En fait, c'est pas des effigies de Marika ça. En fait, un recueil d'invocation. Je sais même pas ce que c'est. Premier degré, je sais pas ce que c'est. Ouais, voilà. Juste à faire ça en fait. C'est le muguet mortifère. Ah bah voilà! Il suffisait de courir en fait.
quand même pas mal comme attaque. Hein. Se mentir. Ah! On va rien voir comme ça, c'est ça? Effectivement, s'il y a des trucs à trouver dans cette zone. Bon, on va aller direct à la carte. Je suis la carte. Montrez-moi la voie aux douces lueurs, ramenez-moi jusqu'à l'arbre sacré. Il y aura du vide quelque part, non? Ah! Site de grâce là. Est-ce qu'il y a un truc qui fait toute cette neige là? Dragon ? Quoi ? Je sais pas ce que c'était. Je vais aller chercher le plan d'abord. Y'a pas de barre de boss qui est apparue en fait. Oula. Oula. Ouais, c'est peut-être lui qui fait toute la neige. C'est loin en fait. Ah. On y voit un peu plus quelque chose. C'est de grâce. Pas ce que c'est ce point de lumière. Hein. Allons récupérer la carte, qu'on y voit un peu plus clair. Juste là. Let's go! Oh, stylé. Trop stylé. Tu vas avoir du mal là un peu. De forge 8. Alors, fais-moi voir cette zone. D'accord. Ah oui, donc du coup, après, il y a encore une autre zone cachée ici, entre guillemets. Bon, cachée qu'on voit. Mais il va falloir comprendre comment on y va. Alors, il y a peut-être un truc en allant dans les montagnes là, tu ressors de l'autre côté, peut-être. Ou alors, c'est une téléportation à trouver quelque part. I don't know. En tout cas, là, il y a un arbre. Mais je sais pas s'il est genre tout là-haut. Il a l'air d'être là, non? Qu'est-ce donc? Des nouvelles bébêtes, ça? Complètement des nouvelles bébêtes qui font bien mal. De sac. Ah oui, en plus il balance des sorts et tout. Aïe.
pas très Patrick. Donc là ça monte et là-bas il y a un truc, il y a un village. Je vais aller voir au niveau de l'arbre, il y a peut-être un... peut-être une sentinelle là, les bases. Une sentinelle, je sais plus comment ça s'appelle. Arbre monde mineur. Ça m'a l'air un peu dead. Un peu dead cet arbre. Ok, bon. Ah si, il est là. Un avatar, ouais c'est ça. Sentinelle, c'est les... Oh les dégâts... Attends, what? J'ai pas vu mes HP. Est-ce que mes HP viennent de fondre? En vrai c'est peut-être à cause de la putréfaction que je me suis prise. J'ai dû me prendre des dégâts à chaque fois que j'ai pris un stack de putréfaction, mais j'ai pas fait gaffe en fait. J'ai pas fait gaffe. Oui, qui fait des grands coups de tonnerre. Le sentiment qu'il doit craindre un peu les dégâts de feu du sabre. C'est passé. L'arme fissurée épineuse. L'arme de cristal fissuré. C'est où déjà? Là. Là même. Dans une fiole augmente progressivement la puissance des attaques successives. Ah! Pas mal. Putain, c'est pas mal du tout ça. Et... non. Non, je pense pas que j'ai débloqué un site de grâce. Mais dis donc. Putain, par contre, il m'a donné tellement de runes. En vrai, t'as demandé une en fait, oui et non. En fait, c'est normal à mon niveau. Maintenant. Mais quand même, 200 000 pour un boss mineur. Ça, je m'y attendais pas. Rune possédée, 98 000. J'ai pas vu combien il me fallait pour passer au niveau suivant. Oupsie. T'es à 106 000 tout à l'heure, je crois. 110 000. 110 413.
Berm. Mélange de salut miraculeux. J'ai quoi actuellement? J'ai. Dans une fiole, améliore temporairement la résistance aux dégâts. Ça, on garde parce que c'est insane. Une fiole augmente les chances de briser la posture des ennemis en attaquant. Ah oui, bah ça, c'était bien jusqu'à maintenant. Mais maintenant, on s'en fout. Ah, il y a ça qui est pas mal aussi. Putain, on peut limite s'enlever ça. Et c'est vraiment là, c'est full attaque quoi. Genre vraiment, on n'a plus rien pour se défendre. Mais ça peut être un truc, hein. Genre vraiment, on se fait une fiole avec ça et ça. Et c'est bon, hein, c'est parti. Réduit considérablement les dégâts. Mais ça, c'est une fois ça. C'est nul. En fait, ça c'est bien, c'est fort. Mais c'est vrai que. Ça, en fait, ça dépend. Ça, ça c'est sûr que je vais faire ça. Après, ça on peut le remplacer par. Par ça, du coup, si on voit qu'on prend trop trop cher. Mais putain, les dégâts que je vais faire avec ça et ça. En plus. Ça va être assez insane. Alors. Il y avait quand même un truc ici. Hein. Je sais pas si c'était un boss ou quoi. En tout cas, il n'y avait pas la... Il n'y avait pas la, board... la barre de boss pardon, qui est apparue. C'était avant ou après, du coup, je me souviens plus. Non, c'était après, non? Non, c'était après. Pas loin, je crois. C'était dans le coin. Je crois. Non mais... Alors à quel moment il voit ce qui se passe lui? Peut-être avant. Ah non, c'est là. C'est où? Quoi? Ah mais c'est pas un boss en fait. Juste un mob. Ah mais c'est des mobs en fait. C'est des mobs en fait, c'est des mobs de zone en fait. Ok. Ok ok. Ouais c'est des mobs spectraux quoi. Très bien. Je veux juste m'assurer que c'était pas un boss que je manquais. Mais en fait, Osef. Osef, Osef, Osef. Alors là, il y a une mine, du coup. Mais flemme de faire la mine. Oh, j'ai vraiment pas le goût de faire une mine, là. J'ai vraiment pas le goût de faire une mine. À la limite, je peux aller prendre le point de téléportation. À l'intérieur de la mine. Je sais pas si j'aurai la foi de faire plus. Ah yes. Des rats. Un géant. L'attaque des titans. Ok. Oh, ils sont vénères ici. Attends mais il y a une... Attends mais il y a une zone en bas en fait. Oh mais vas-y, c'est encore une zone à la con là où faut... Ah non c'était là. Non j'ai rien dit. Non, en fait ce que je voyais au loin c'est... Vas-y j'ai rien dit, j'ai rien dit. Je vais me faire insulter sinon. Ok bon ça c'était bel et bien la mine. Bel et bien la mine. Est-ce que... Au pire je rush jusqu'au boss. Hein.
Mais bon, oh, les mines. Hein. Oh, mais le point de téléportation en plus il est après ça. Oh. Allez, je vais faire un effort. Un effort. Ça me permettra de tester. De tester ma nouvelle fiole. De pester. On peut descendre là. Pourquoi ils sont tous morts? Il ne peut pas. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est déjà venu avant moi. Pas très rassurant tout ça. Dégâts. Ça se voit qu'on est dans une zone de fin. Hein. Les dégâts, c'est quelque chose. Hein. C'est limite, les dégâts, ils ont un nom là. Hein. On les appelle monsieur, les dégâts. Ah, les mobs qui s'en foutent quand je les tape. Voilà pourquoi j'aime pas ce genre d'endroit. Les catacombes, les mines, les machins, j'aime pas. C'est nul. C'est juste tout petit, tout serré. Il y a des mobs de partout. Les mobs, ils font mal. C'est nul. Je veux juste battre des boss, moi. C'est bon, j'ai déjà fait 90 heures d'exploration, là. J'en ai marre. Je veux game. Putain, ça m'a fait tousser de prendre le caillou. Le caillou qui m'a fait 2-3 dégâts. Ces failles spatio-temporelles, d'accord. Ah oui, c'est ça, ok. D'accord. Non mais après le but c'est de s'amuser, hein, avant tout. Le but c'est juste de s'amuser. En plus je lui fais pas beaucoup de dégâts, c'est génial. Non mais attaque ! Non mais t'es sérieux frérot ? Mais... Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon perso n'a pas voulu attaquer. Jamais. Jamais. Il n'a pas voulu attaquer. Il manquait un coup. Il a jamais voulu le mettre. C'est... D'accord ! Y a pas de souci frérot. Y a pas de souci, on adore. On adore, on adore, on adore. C'est génial, j'adore recommencer là. C'est super. C'est génial, on s'amuse de fou. Moi qui avais vraiment envie de faire cette mine en plus, vraiment là je suis comblé quoi. Et du coup qu'est-ce qui se passe si on vient ici directement? Ah oui. Lourd.
espadon de Seigneur d'Albâtre. D'accord. Pourquoi pas? Objet légendaire. Pierre de forge des dragons anciens. D'accord, mais pas, pas sombre. Dommage. Dommage. Let's try again. J'ai failli y croire. J'ai failli y croire. Vous dérange pas plus. Prends juste ça. Non. Il y a un mec derrière, un mec devant. Une pierre de forge à récupérer, mais en vrai, Osef. J'ai pas vraiment, j'en ai pas vraiment besoin. Moi, ce qu'il me faut, c'est juste une pierre de forge sombre. Je vais récupérer celle-ci. Mais d'accord que le man, je peux le skip, non? Je m'en branle de me le farcir, hein. Il va me donner un item, mais un item, je m'en fous. Ah, le raccourci. Bon, on peut le tenter, allez. Il drop rien en plus celui-là. Super, on s'amuse de fou. Et là, c'est le boss. Astel, la constellation. Oh putain. Ils en ont vraiment mis deux, genre. Oh, ça fait partie des boss les moins intéressants. Vraiment mis deux. Il a chié ce boss. Il a chié ce boss, je l'aime pas du tout. Et c'est pour ça aussi que je n'aime pas les catacombes et les mines, c'est parce que tu retrouves les mêmes boss que t'as déjà battu dans le jeu, genre, c'est pas. C'est pas intéressant, bordel, c'est pas intéressant. C'est trop à chier, même. Tellement un manque d'imagination là-dessus, c'est genre, c'est une dinguerie. La définition du fun.
interprète, c'est quoi ça? C'est vraiment à chier. On perd du temps là-dessus. On perd du temps là-dessus, quoi. Ça me rend dingue. Je sais même pas comment l'esquiver, ça, c'est une dinguerie. Hein. T'as beau faire des roulades, hein. Le jeu s'en branle. J'ai essayé de sauter, je me suis dit peut-être. Mais non. Je fais que me soigner. Je suis dead. Je fais que me soigner dans le combat, genre c'est pas intéressant. Oh, ça me saoule. C'est une torture de faire des boss comme ça, genre, c'est une torture. C'est pas intéressant, c'est, t'as pas envie de les faire, t'as pas envie de les tomber. T'as... une portée max. Cette attaque, j'y comprends rien. Ah d'accord, ok. Je me prends aussi des dégâts à la retombée. Okay, tu prends trois fois des dégâts du coup. Au moins ils ont eu la décence, l'intelligence de mettre un, de mettre le site de grâce directement en face quand tu débloques le raccourci. Du coup portée max du rayon ou pas? Ou c'était juste un bug de sa part? Ah et attends parce que ouais il le... Ouais. Il ne commence que quand je suis à portée en fait. Intéressant de le savoir.
Ça va sûrement me tuer, j'imagine. Ouais. Bah du coup par contre si je l'attaque pas sur la tête ça lui fait pas de dégâts, c'est assez abusé. Je vais tenter avec ça. De toute façon je suis pas convaincu des dégâts de sang là-dessus. Des dégâts de feu, pardon. Dégâts de sang, ça proc, mais... Ah, donc c'est aléatoire, en fait. D'accord, donc en fait, le projectile, c'est aléatoire, en fait. Il y a des fois, il va pas aller loin, et des fois, il va aller loin. Très bien, super. Non. D'accord, enfin, les météorites au corps à corps, j'avais pas vu ça. Mob il te fait des dégâts en partant. T'sais. Je sais pas si je devrais pas changer de playstyle et de le stun, je sais pas. Je sais pas si ça serait mieux ou pas. Aucune idée. Ça se tente. Je vais voir ce que ça peut donner. Ça sera mieux ou pas. Ça le mérite. Putain, mais sérieux. Merde, j'ai pas mis...
pas le temps. Ouais, bon, c'est à peu près la même chose en vrai. Ça revient au même. Ça revient au même. Je pensais pas que j'allais perdre autant de temps sur ce boss. Okay. Je sais pas s'il y a un timing roulade pour ne pas se prendre ça. Let's go. Nice. Le double stone qui met bien. Et voilà, tout ça pour avoir un sort que je n'utiliserai jamais de ma vie. C'est génial. Je crois qu'au niveau des runes, c'est mort. Hein. Je crois que je ne les ai pas pensé à les récupérer pendant la run, oui. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça valait le coup de le faire, hein. Vraiment pas. 320 000, c'est un niveau aussi, quand même. Ils ont vraiment mis le truc ici, ils auraient pu le mettre... ils abusent, ils auraient pu le mettre au milieu de la salle. Parce que là, le site de grâce, il était juste à côté. Quand tu prends plus de temps, en fait, à retourner en bas et tout, genre, c'est... ah! K, ouais, je pense que je peux me faire un niveau là. Pas sûr que j'ai. Je peux pas être encore à 120k. Bientôt, mais. Ouais, 112. Hop. Bon, là, globalement, on va se mettre un peu tout en vigueur. Au moins jusqu'à 50. On va continuer d'explorer par là. Ah, on n'y voit rien ici, super. Ah, ok. Hein? Non mais. Non mais. Oh, rompiche. Nous rompicham.
C'est vraiment nous rompichâmes là. Hein. Oh, mais c'est le vide là. Putain, je suis obligé de faire le tour par le bas. Quelqu'un qui chante. Corne de robustesse. Corne de robustesse augmente grandement la robustesse, comme son nom l'indique. C'est une corne de robustesse. Là, c'est la zone des géants. Ruine d'anis jaune. Ils ont le truc chelou. On vient afficher la carte, s'il vous plaît. Quoi ça? Un ours? Ah ouais, c'est un ours. Ah putain, mais oui, c'est vrai qu'il y a des ours dans Elden Ring. Je crois que j'en avais rencontré un ou deux dans les forêts là, à Nécrolimbe. Mais c'est tout. Je crois que j'en avais pas revu depuis. C'est vrai qu'il y a des ours dans ce jeu. C'est une dinguerie, j'avais complètement oublié leur existence. Mais d'ailleurs, il y en a pas beaucoup, je pense. Et genre ils se mettent sur deux pattes et tout, genre ils sont insane. Ah, je me souviens bien maintenant. D'accord. Why not? J'ai jamais pu me relever. Et vraiment le canasson dans ce jeu, c'est plus une tare qu'autre chose. Hein. Genre vraiment c'est... Le canasson c'est trop chiant, genre c'est... C'est trop pratique pour se déplacer, mais pour se combattre, c'est vraiment de la merde. Hein. Et le truc, il te tue, littéralement, il te tue. En fait, tu te prends un premier stun quand tu tombes du cheval. Ton personnage met 1000 ans à se relever, t'as pas le choix. Sauf qu'en fait, la frame d'invulnérabilité de quand t'es tombé n'existe plus, enfin est partie. Et du coup, tu peux te reprendre un dégât pendant que t'es en train de te relever. C'est horrible. C'est vraiment le canasson, c'est horrible. Mais bon, ils ont décidé de faire un open world. Forcément, il faut bien un moyen de locomotion. Juste mis un petit coup comme ça. Juste pour me venger, tu vois. Là, je me suis vengé. Là. Ah! D'accord. J'ai pas le droit. Pas le droit au canasson ici. Noble sanglant envahit votre monde. Ah, c'est à cause de.
à cause d'un envahisseur. Il est où? Le truc c'est qu'il y a des mobs ici. Il y a un portail. Ah. Bah, je pense qu'en fait il était en haut. Je vais pas genre me laisser prendre ma potion. J'aurais dû la prendre avant, je suis un con. Ah, il est super aggro, il va pas me lâcher. Ok. Capuchon de noble sanglant. Doge de noble sanglant. Ah, du coup, oui, ça a ouvert la zone. Très bien. C'était le prérequis. C'était le prérequis. Ah, il va faire tout noir. Ah bah voilà, ça y est, ok, j'y suis. Je suis à ce fameux endroit de la Siofra que je n'ai jamais découvert. Ça y est, it's time. It's really time. J'espère qu'il va y avoir un petit site de grâce. Palais Mogwin, voilà. Nous sommes... Ah oui, donc voilà, c'est là-haut. Très bien. Donc Mog se trouve là-haut. Mog, le seigneur du sang, donc le vrai Mog, entre guillemets, parce que nous, on avait affronté Mog le réprouvé. Mais bien évidemment, Mog... Ah, il est là-bas, en bas, le site de grâce, la Bamba. Mog, le seigneur du sang, the real one, il est là-haut. Et je pense qu'on aura découvert toutes les zones, du coup... de la Siofra et environ. Super. Bon, et en plus on est à 55 minutes de VOD, donc je pense qu'on va se laisser là YouTube et on se réserve ça pour la prochaine VOD. Des bisous, ciao.